matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer, ces matchs où il faut montrer de la personnalité. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Champions Club avec Alex Teclac, avec Simon Amoir, spécialiste foot étranger de la DH. Salut Simon. Salut Mathieu. Simon, tu remplaces donc le big boss, Jonathan Lange, qui est en vacances. Lourde responsabilité sur tes épaules. C'est ça. Je vais essayer de parler de Strasbourg, son club de cœur. On va en parler à l'occasion du match du PSG. Strasbourg qui a pris une dégelée face au Paris Saint-Germain. Alex en forme. On est, je le disais, à la moitié de cette Ligue des Champions, tout doucement. Et forcément, les différents scénarios sont en train de se dessiner. Bonjour Mathieu, bonjour Simon. Oui, effectivement, il y a quand même des tendances qui tout doucement vont se dégager, en effet. Bon, l'Atletico, on en parle dans quelques instants. Forcément, votre club de cœur, bien sûr, Alex avec Antoine Simono qui sera notre invité d'ici quelques instants, spécialiste du football espagnol. Salut Antoine, comment ça va ? Buenos días Mathieu, buenos días a todos. Tout va bien, tout va parfaitement bien. Tu es là notamment pour nous parler, Antoine, de ce match entre Arsenal et Séville, plutôt entre Séville et Arsenal. On en parle dans quelques instants, mais avant ça, regardez le programme qui vous attend tout au long de la semaine sur nos antennes. Rendez-vous mardi. Galatasaray, Bayern Munich à suivre avec Bernard Boli et Xavier Chen. Séville, Arsenal, j'aurai la chance d'être en Andalousie avec Thomas Châtel. Et puis le retour de Benoît Tanz à Lens. Lens. PSV Eindhoven, figurez-vous, Benoît sera là-bas avec Quentin Wolvert. On sera évidemment attentif à ce qui se passe du côté de Bollard. Et puis la Youth League déjà mercredi, l'Antwerp face à Porto aussi chez les grands. On espère que nos champions de Belgique vont quand même se racheter après ce qui s'est produit la dernière fois face au Shakhtar. Et puis le Paris Saint-Germain pour sa part jouera face à l'AC Milan. Ça promet d'être chaud bouillant là aussi au Parc des Princes où Bernard Boli sera présent avec Alex Teclac. Alex Teclac qui est partout dans les grands stades. Je vous le disais, on va parler du foot espagnol, du foot anglais, mais avant ça, honneur à nos champions. Le Great Old. Trois semaines plus tard, on n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. L'Antwerp qui ne va pas bien, encore battu au Sporting de Charleroi. C'était le cas samedi, match complètement dingue aussi. Encore une fois, des pénaltys contre eux. Cette fois-ci, l'Antwerp, honnêtement, qui aborde ce match capital de la pire des manières. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas dans une période de confiance du tout. Bon, ils n'avaient pris que 4 buts en championnat jusqu'à présent. Ils en ont pris 3 à Charleroi. Charleroi qui cherchait quand même encore sa meilleure forme. Ça va leur donner de la confiance. Donc c'était assez bizarre. Mais c'est surtout bizarre la manière avec laquelle ils ont bâclé la fin de match. Parce que j'ai l'habitude de le dire, Mathieu, quand tu sais pas gagner un match, il faut pas le perdre. Et ici, ils ont tout donné en fait pour que Charleroi, à un moment donné, puisse les contrer, puisse exploiter les espaces. Et c'était très surprenant. C'est vrai qu'ils ont poussé beaucoup, mais avec une certaine forme de naïveté et avec, certes, beaucoup de talent offensif dans leur équipe. Bon, Porto, on a vu le match face au FC Barcelone il y a 3 semaines de cela, battu honnêtement sur le fil. Et donc, mon cher Simon, depuis lors, tu as suivi cette équipe du FC Porto de Sergio Conceição. C'est ça. Bien sûr qu'on connaît super bien chez nous. Et de Vedran Rounier, entraîneur des gardiens, qui a été entraîneur des gardiens aussi à l'Antwerp. Oui, donc ils seront tous les deux de retour chez nous. C'est vrai que Porto, il reste sur un match où les cadres ont pu un peu se reposer. C'était un match de coupe ce week-end contre une équipe de Division 4. Donc le programme était assez favorable pour eux. Ils gagnent 0-2, mais il faut savoir que c'est une équipe qui n'a quasiment pas été modifiée par rapport à celle de la saison dernière, qui, on le rappelle, a fait quand même un huitième de finale contre l'Inter. Avec Taremi donc. Exact. Et sans le but de Lukaku au match aller rentré en fin de match, c'était 0-0 au retour. Bah, qu'est-ce qui serait devenu de ces Portugais-là? On ne sait pas. Toujours est-il que Taremi, vous l'avez dit, toujours là. Galeno, les deux Pepe, il y a l'ailier et le défenseur. Grujic, Joao Mario, Diogo Costa, le gardien. Ils ont vraiment gardé la même ossature. Et ils sont troisième pour le moment dans le championnat portugais. Donc ça fonctionne toujours bien. Ils n'ont que 3 points de retard sur le Sporting. Par contre, quelques absents ou quelques incertitudes, quelques grosses incertitudes même pour le match de mercredi. Ils étaient tous absents ce week-end en coupe, mais pas forcément pour la rotation, mais parce qu'ils étaient bien incertains. Pepe, le défenseur, donc le quarantenaire, qui ne sera pas encore le plus âgé. Un des exemples d'ailleurs pour Alex, même s'il est un peu plus jeune que toi,
Pep, ça reste, reste quelque chose. Ouais, un découpeur, un charcutier, tu l'appelles comme tu veux. Toujours est-il qu'il n'a plus joué un seul match depuis le 15 septembre. Là, il est sur le retour, mais très incertain. Wendell, le back gauche aussi, qui a joué tous les matchs cette saison. Il y en a d'autres, Eustachio et Ivan Reime ou Gabriel Veyron aussi, un ailier titulaire régulier. Bon, quoi il y a qu'il pas arrive, mal d'incertitudes. Quoi qu'il arrive, les gars, soyons clairs, soit l'Anter prend quelque chose, ne fût-ce qu'un point, soit c'est plié. Oui, les deux matchs où il devait prendre des points et faire 4 sur 6 pour espérer, c'était Shakhtar et Porto. Donc là, Shakhtar, c'est déjà un joker en moins. Porto, pour moi, ça s'annonce compliqué. Le Shakhtar qui, entre-temps, a licencié son coach néerlandais. Oui, tout à fait. On avait eu d'ailleurs un très beau reportage le concernant. Non, mais ils sont dans une situation là où ils sont dos au mur. S'ils prennent rien, Mathieu, même un point, juste pour au moins sauver l'honneur. Tu y crois ou pas ? Non, pas du tout. Bah, merci pour l'enthousiasme, franchement. Bah non. Non, non, pas allez, du tout. Simon, un peu d'enthousiasme. Là. Non. On sait que c'est difficile pour l'Anter, mais dans le cadre de ces soirées-là, on est censé se sublimer. Bah, le match contre le Shakhtar au retour jouera pour la troisième place éventuelle, mais c'est vrai que. Ah, mais si tu prends un point ici contre Porto et que le Shakhtar ne prend rien, et que tu vas gagner là-bas, t'es troisième. Certes. Ouais, bon, donc aucun enthousiasme sur ce plateau. Heureusement, honnêtement, qu'on a encore Marc Delis en commentaire, qui lui a envie d'y croire, et heureusement, il y croira, Marc, en compagnie de Benoît. J'y crois pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas se servir de ces matchs. C'est... Bruges est passé par là. Hein. C'est vrai. À l'époque de Michel Prudhomme, avec le 0 sur 18, mais on n'a vraiment pas envie d'avoir un scénario comme celui-là, avec un véritable camouflet, un 0 sur 18. Cela ferait tâche, d'autant plus que nos équipes se comportent bien en Europa League. Voilà pour le chapitre anversois. On croise les doigts tout de même pour les joueurs de Marc Van Bommel, qui a été exclu, à l'instar de Felice Mazzu, samedi au stade du Pays de Charleroi. On est parti pour parler de nos Diables Rouges. Noir, jaune, rouge. Noir, jaune, rouge, bien sûr, avec d'un côté à Séville, Dodi Lukebakio, qui a été la révélation, ou en tout cas la confirmation de notre équipe nationale face à l'Autriche. Et puis de l'autre, un buteur le week-end dernier, Leandro Trossard avec Arsenal, qui a marqué dans le cadre du derby londonien face à Chelsea. Antoine, rebonjour, tu es toujours là avec nous, bien sûr, pour nous parler de Séville. Séville qui a pris un point. Un point face au Real Madrid, c'était les retrouvailles entre Sergio Ramos et les Merengues. Ça a été super chaud sur le terrain et en tribune d'ailleurs. Oui, complètement. Un bon point quand même des Sévillans. C'était un match très très agréable et très très enlevé d'ailleurs, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Mais il y a eu effectivement des incidents en tribune, puisqu'un supporter sévillan a imité le singe en direction de Vinicius, l'attaquant du Real Madrid. Et pour une fois en Liga, eh bien, il a été immédiatement appréhendé et expulsé du stade pendant la rencontre. Il a même été déchu de son titre de socio par le club sévillan, qui a pris des mesures immédiates et assez radicales. Et sur le terrain, comme je le disais, ça a été un match très agréable. Il y avait effectivement les retrouvailles entre Sergio Ramos et son ancien club, où il avait passé quand même 16 saisons le Real Madrid. Il a d'ailleurs failli leur marquer un but. Mais c'est un très très bon point pour Séville qui, quand même, au niveau des résultats, et reste à la peine cette saison. Oui, Séville qui a pris un point face au PSV, on le rappelle, ou plutôt qu'on a perdu deux, parce que le PSV a marqué en toute dernière minute. Deux points d'ailleurs au total, puisqu'il se partage aussi face à Lens. Un changement de coach aussi à Séville. Antoine, tu nous parles un peu justement, qu'en est-il désormais ? On sait que Mendy Libar n'est plus le coach des Andalous. Ces mauvais résultats du début de saison où Séville a énormément de mal à gagner. Ils ont gagné que deux fois toute compétition confondue. Ils restent sur quatre matchs sans victoire, trois nuls. Et ils sont 13e du classement, ce qui n'est pas une place d'ordinaire des Sévillans. Il a été licencié pendant la trêve internationale et c'est Diego Alonso qui est revenu. Et pour vous faire plaisir, vous les amis belges, qui est bien un petit peu pour le belge de cette équipe sévillane qui est Luque Bacchio, c'est qu'il l'a quand même maintenu titulaire dans le 11 face au Real Madrid, même si il n'a pas été forcément très brillant. En tout cas, ça n'a pas été le premier match. Il est d'ailleurs sorti le premier du 11 de Séville lors du match face au Real Madrid.
Oui, Dodi Luca Bacchio qui jusqu'à présent a fait une bonne impression. Hein. Bien sûr, on l'a suivi de près. Il avait été bon face au FC Barcelone. Alex, tu avais commenté le match. Et puis, ben oui, il a encore eu ses deux buts face à l'Autriche. Lui qui fera l'objet d'un reportage hein, dans le cadre du multi-live ce mardi. Et une interview aussi à retrouver dans les colonnes de la DH. Lui qui dit en Allemagne, on ne me suivait pas suffisamment. On sent vraiment cette frustration. Il estime que finalement, les médias ou le grand public en général ne le reconnaissait pas. Cette reconnaissance, il va aller la chercher en Espagne, tu penses, toi, Simon ? Oui, clairement. D'ailleurs, on l'a vu, hein, dès ses premiers matchs, ses premiers coups d'éclat, la presse espagnole s'est un peu affolée sur lui. Qui est ce Luca Bacchio ? Il ne le connaissait pas vraiment. Et c'est un peu pareil pour ses adversaires qui ne le connaissaient pas vraiment, qui ne connaissaient pas son pied gauche. Et maintenant, peut-être, on l'a vu face au Real, son pied gauche était très souvent bien bloqué par la défense madrilène. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Évidemment, toutes les équipes étudient leurs adversaires, mais il y a moins cet effet de surprise-là qu'à ses tout débuts en Liga. Maintenant, tout le monde va s'en méfier, tout le monde le connaît, et surtout les grandes équipes comme le Real. Ouais, Alex, on sait à quel point tu aimes le joueur, un joueur qui est capable de jouer partout aussi. Tantôt sur la gauche, tantôt sur la droite, et puis aussi en faux numéro 9. C'est peut-être ça son problème, parce qu'avec Ocampos, c'est vrai qu'ils alternent parfois leurs positions, mais Ocampos a plutôt tendance à jouer côté droit, l'ancien Marseillais, très bon de la tête, un joueur très physique et très travailleur. Et parfois, et souvent, Dodi joue côté gauche. En équipe nationale, c'est l'inverse. On le voit très bon quand il joue côté droit et qu'il peut rentrer à l'intérieur du jeu. Il sait jouer à gauche aussi. Il a d'ailleurs marqué un super but du droit en venant de la gauche en Liga, un but qui a fait le tour de la planète. Et c'est ce qui l'a fait aussi rentrer dans les cœurs sévillants des supporters. Donc je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Maintenant, Antoine le rappelait, il n'est pas dans une équipe qui tourne super bien. Et c'est bizarre ce que je vais dire. Je les ai vus contre le Barça, je les ai faits. Et en fait, je trouve que c'est une équipe consistante. Qui en plus avec le retour de Ramos apporte vraiment de la stabilité, de l'assurance souvent dans les grands rendez-vous. Oui. Et lorsque Mendilibar était encore là, Séville cette saison a répondu présent. Souvenez-vous de la finale de la Supercoupe. Oui, c'est honnêtement, ça. Il manque un petit truc. Quoi. Il manque pas grand-chose. Antoine, demain face à Arsenal, donc ce mardi soir en tout cas, je le répète encore une fois, dans ces cas-là, Séville a l'art de sortir sa tenue de gala. Votre analyse est extrêmement juste parce que Séville est toujours à la hauteur lors des grandes affiches et répond toujours présent face aux grosses formations. Comme tu l'as dit Mathieu, on l'a vu en finale de la Supercoupe d'Europe face à City. On l'a vu la saison passée lors de leur incroyable parcours en Europa League face à des très grosses formations aussi, alors qu'ils étaient à la peine en championnat. Et on l'a vu aussi cette saison en Liga, comme vous rappeliez à juste titre, face au Barça, même s'il y a eu la défaite au bout, et face au Real Madrid, où ils ont été encore à la hauteur de l'événement. Il ne manque pas grand-chose. Et Luca Bacchio, pour revenir sur le joueur belge, il apporte peut-être aussi ce qui manquait un petit peu à Séville au niveau offensif, c'est-à-dire de la vitesse, de la percussion et surtout de la profondeur. Et on sent déjà en plus qu'il a une belle complicité avec ses partenaires offensifs qui, comme lui, sont très, très habiles techniquement. Bon, en face, il y aura Arsenal. Évidemment, on va parler de Trossard dans quelques instants avec Simon, Alex. Mais toi, tu vas nous parler aussi du retour d'Arteta en Espagne. Tu peux aussi nous dire comment est perçu Arteta en Espagne, puisque bah, il est en train de réaliser du très, très beau boulot à Arsenal. Arteta, on n'en parle finalement pas énormément de Mikel Arteta parce qu'il n'a pas fait non plus sa carrière de joueur, j'allais dire, en Liga. Il l'a plutôt fait à l'étranger. Donc, c'est quelqu'un dont on suit le parcours. Mais on va beaucoup moins parler, beaucoup plus parler par exemple d'un Pep Guardiola qui a aussi beaucoup plus de réussite. Alors, on suit l'évolution de son parcours, mais ce n'est pas un retour qui est attendu. J'allais dire, c'est même moins attendu. Qu'un Unai Emery, par exemple, que des coachs comme ça qui ont évolué en Liga, ou en tout cas qui ont énormément entraîné en Liga. Simon, par rapport à Arteta. Oui, justement, j'ai fait un petit flashback. On est en 2011, Arteta est à Everton. À ce moment-là, deux clubs veulent s'attacher à ses services. Il y a donc évidemment Arsenal. Il signe finalement Arsenal contre 12 millions. Et en même temps, il y avait une petite bagarre avec Séville, qui avait mis 10,5 millions sur la table à ce moment-là.
Évidemment, il a choisi Arsenal avec la suite de carrière que l'on connaît et la suite dans le coaching. Mais que serait-il devenu s'il avait opté pour Séville à ce moment-là? Ça, on ne le sait pas. Mais ouais, on fera pas l'histoire. Ouais, c'est toujours sympa comme anecdote. Bon, Antoine, ta vision évidemment du football espagnol, elle est très claire. On profite aussi de ta présence pour parler un peu de Braga face au Real Madrid et surtout du Real Madrid plutôt face à Braga. Tu m'as bien compris. Le Real qui pour l'instant, j'ai envie de dire, est quand même assez dépendant dans certains Jude Bellingham. Complètement, c'est l'homme providentiel. C'est d'ailleurs, il a une réussite insolente qui est une bénédiction pour le Real Madrid, puisque le Real Madrid a perdu son buteur de classe mondiale qui était Karim Benzema, ce qui n'était non plus pas attendu, pas prévu. Et Jude Bellingham a repris le flambeau de manière brillante, mais est-ce que ça va durer longtemps? Et c'est un petit peu la grosse interrogation autour de la saison des Merengues. Est-ce qu'ils sont capables finalement de maintenir ces résultats en étant si peu efficaces et en étant dépendants d'un seul joueur qui n'est pas un buteur à la base, il faut bien le rappeler, qui fait des miracles pour le moment, mais on se demande jusqu'à quand ça va durer. Alors Braga, ça semble quand même à la portée du collectif madrilène, qui pour le moment a quand même des résultats plutôt bons, puisqu'ils n'ont connu qu'une défaite et ils n'ont fait qu'un match nul depuis le début de saison, et autrement ce ne sont que des victoires. Mais dans le jeu, c'est un petit peu moins reluisant, j'allais dire. Mais ce qui rassure, c'est que malgré, par exemple, les absences longue durée de Courtois et Militao, qui sont deux des piliers depuis deux saisons de cette équipe-là, et bien défensivement, ça tient aussi le coup pour le moment. Donc ça, c'est intéressant. Très bien. On pourrait aussi faire une émission spéciale sur la Sociedad, parce que je sais, Alex, que tu es fan de cette équipe, mais moins fan tout de même de l'Atlético Madrid. L'Atlético qui va mieux. Et Alex, ça va te faire plaisir. Justement, Antoine était en train de nous dire qu'on a le sentiment qu'il y a vraiment une très bonne dynamique là, du côté de la capitale. Il y a une très bonne dynamique, il y a une très belle équipe, très complète, qui a été, je pense, renforcée intelligemment aussi derrière, où c'était un petit peu son point faible, ce qui est étonnant pour l'Atlético. Mais l'an dernier, avec les arrivées d'Azpilicueta, de Soyuncu, et surtout, on retrouve un Atlético flamboyant offensivement, ce qui est assez étonnant. Mais c'est la deuxième meilleure attaque de Liga. Ils sont à 27 buts depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Et puis, il y a eu une attaque de feu avec Morata et Griezmann qui marchent et s'entendent à la perfection. Donc c'est intéressant et on a hâte de voir ce que ça peut donner en Ligue des Champions aussi, parce qu'ils ont une petite revanche à prendre puisqu'ils s'étaient fait éliminer de toutes les compétitions européennes lors de la phase de groupe de Ligue des Champions la saison passée. Ne remets pas une couche, Antoine, parce que Alex s'en est toujours parmi. Hein. Non, oui, mais ceci dit, quand on se prénomme Antoine, on ne peut être que brillant, effectivement. Oui. Franchement, pas mal. Pas mal. Après la trique de Gris. J'ai pas le talent de l'autre. Hein. Bah, je parlais de vous deux après son trique ce week-end. Ouais. Un Celtic Atlético, hein, bien sûr, à suivre mercredi soir. Un petit mot sur Axel Witsel aussi, rapidement, parce que évidemment, il n'est plus Diable Rouge, mais nous, on le suit toujours, parce qu'on sait à quel point il a été important dans l'histoire du football belge. Eh bien, Witsel qui joue défenseur central. Alors on est habitué maintenant un petit peu à l'Atlético, mais c'est la position dans laquelle le fait jouer Simeone. Et pour le moment, je trouve qu'il fait un très bon début de saison. Il avait été notamment contre la Lazio lors du premier match de C1 excellent. Donc pour l'instant, il est là. Alors il y a des blessés aussi dans son secteur de jeu. Mais il répond parfaitement aux attentes de Simeone depuis le début de saison. Antoine, en début de saison, les consultants et les journalistes de Pix Plus Sport, j'y arriverai, donnent évidemment leur pronostic. Et comme chaque année, Alex nous donne l'Atlético. Tu représentes le football espagnol. Qu'en est-il de ton côté? Est-ce que tu crois qu'une équipe espagnole peut aller au bout cette année? Oui, de toute façon, il y a une donnée qui ne bouge pas, c'est que les clubs espagnols, même s'ils sont en difficulté, j'allais dire en championnat, ils sont toujours extrêmement compétitifs sur la scène européenne. Il suffit de prendre le palmarès des dernières saisons, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Et puis il y a un club qui arrive toujours en demi-finale, c'est le Real Madrid. Mais l'Atlético, je pense que ça peut être une belle surprise, effectivement, comme Alex le pense, de cette saison. C'est notre année.
C'est notre année. C'est bien, c'est bien. Merci de le rassurer, Antoine. C'est très sympa de ta part. On se retrouve bientôt. En tout cas, on ne doute pas qu'il y aura encore des équipes espagnoles en huitième de finale. Ça me paraît certain. Merci à toi, Antoine. Merci. Et bonne semaine de Ligue des Champions. Merci à vous. Avec grand plaisir. Toujours un plaisir, évidemment, d'avoir nos spécialistes là-bas, sur place, dans les différents pays qui nous intéressent. À propos d'intérêt, il faut quand même encore parler brièvement de Trossard, parce que Trossard, ouais, évidemment, c'est quelqu'un qui compte là-bas. Oui, c'est clair qu'à Arsenal, il a encore été décisif. Il sauve les Gunners contre Chelsea ce week-end. Après, Trossard, pour le moment, sa saison, elle vit au rythme de ses absences, de ses blessures. Il a joué à peine 350 minutes depuis le début de la saison. Oui, mais en termes d'efficacité, c'est énorme. C'est ça. Je me suis amusé à compter. Donc, c'est 4 buts, 1 assist. Ce n'est pas grandiose par rapport à certains. On parlait de Bellingham tout à l'heure. Non, mais si on calcule le ratio temps de jeu, but marqué, décisif, efficacité. Il est décisif toutes les 65 minutes. Bah, Bellingham, c'est toutes les 73 minutes. Oh, donc quand j'entends Simon à moi, on a ici un joueur qui est encore plus efficace. Je sais que tu n'aimes pas ce type de stats, mais non, c'est bon. Toujours sympa. Mais non, c'est des stats qui ne veulent, et c'est pas toi que j'attaque Simon, mais pas dire grand-chose à partir du moment où Bellingham a évidemment un ratio de match beaucoup plus important. Mais c'est clair, mais c'est anecdotique. Mais d'un autre côté, ce que Trossard fait bien, c'est de monter et de marquer des buts qui comptent. Parce que parfois, vous marquez des buts, mais qui ne servent à rien parce que vous avez été battu. Et lui, à chaque fois qu'il est monté, il a marqué des buts qui comptent. Et ça, c'est important parce que c'est dans un contexte quand même hyper hostile à Chelsea où tu les vois pas revenir, ils sont menés 2-0 hein, jusqu'à un quart d'heure du terme. Hein. Donc, très bien. Mathieu, voilà. Très bien, on verra ce que ça donnera donc du côté du stade Sanchez-Pizjuan. Ça, c'est pour mardi soir. Séville, Arsenal, grosse affiche. On espère que les deux Belges seront titulaires ou en tout cas qu'ils auront droit à suffisamment de temps de jeu. Place désormais au match à ne pas louper. L'immanquable. Vous l'avez compris, l'équipe qui nous intéresse, le Paris Saint-Germain face à l'AC Milan. Simon, c'est l'affiche, hein, très clairement, mercredi soir. Qu'en est-il de Paris ? Paris qui gagne face à Strasbourg, on a envie de dire que c'est normal, mais qui connaît quand même, victoire 3-0, mais qui connaît quand même, et c'est là que c'est paradoxal, quelques petits soucis au niveau offensif. Dembélé qui n'est pas spécialement efficace, et que dire de Kolo Muani ? Oui, c'est clair que Kolo Muani, je pense, c'est 5 buts. Est-ce que ça vaut les 90 millions d'euros investis jusqu'à présent ? Évidemment, on parie sur l'avenir, hein, mais enfin, c'est clair qu'il est beaucoup critiqué, mais pas autant que Ousmane Dembélé, qui n'a toujours pas marqué de but pour le PSG après 10 matchs. Là, on commence à s'inquiéter. Alors, Enrique prend évidemment la défense de ses joueurs en disant qu'il crée des occasions, qu'il bouscule les défenses, qu'il est toujours là avec sa percussion. Mais toujours est-il que pour le moment, on se concentre encore une fois sur Mbappé pour assurer les buts et l'efficacité du côté du PSG. Les retrouvailles aussi entre Donnarumma et l'AC Milan. Oui, mais là, j'attends plutôt le match retour à San Siro, où c'est la première fois qu'il reviendra vraiment. Et on sait qu'il est parti en très mauvais termes avec les supporters milanais. Et d'ailleurs, il y a un mois, quand l'Italie a joué à San Siro, il s'est fait huer dès son entrée sur le terrain. Donc là aussi, ça promet pas mal pour ce match-là, dans 2 semaines déjà. Les enseignements aussi à tirer de la défaite de l'AC Milan face à la Juve. On sait que tu as suivi ce match attentivement. Simon, que faut-il retenir ? On a vu d'abord un Milan, on va dire, assez dominateur par rapport à la Juve, mais où il manquait toujours cette efficacité. Je parle de là avant le carton rouge de Thio, qui change un peu la donne, évidemment. Et une stat, 33 tirs sur les 3 derniers matchs de Milan, un seul but inscrit en 33 frappes. Ouais, c'est incroyable ça comme stat, Alex. Hein. Mm-hmm. Mais, ouais, vas-y, je te laisse terminer. Et ça s'est vu d'ailleurs aux 2 derniers matchs de Ligue des Champions, 0-0 et 0-0 contre Dortmund et Newcastle. Donc quand je t'entends, on est parti pour un 0-0. Si d'un côté, on est les attaquants du PSG qui parviennent plus à marquer, et de l'autre, à Milan, on est toujours dans une situation très délicate. Alex, tu sais ce qui t'attends donc mercredi soir, puisque tu vas au Parc des Princes. Ben ouais, mais ils attendaient beaucoup de ce match. Je crois qu'ils restaient sur 6 matchs sans défaite. Le dernier, c'était dans le derby, hein, contre l'Inter, le mois passé, mm-hmm. je crois. Et donc, ils attendaient vraiment énormément de ce match face à la Juve ce week-end. Je pense qu'il y a évidemment un fait de match, tu l'as évoqué, c'est l'exclusion de Thiaw, qui se fait vraiment avoir comme un gamin par Keane.
Avec l'accent en plus. Oui, mais et donc à partir de là, ben, l'entraîneur fait un changement. C'est Kalulu qui monte au jeu, qui remplace Pulisic pour remettre un défenseur supplémentaire, évidemment. Et là, le match tourne complètement. Parce qu'avant ça, je le disais à Simon avant l'émission, il y a une occasion de Giroud, il met une frappe mais magnifique, croisée, et un arrêt de Chesney. Mathieu, ça change complètement le match à la 13e minute. En attendant, c'est très clair, vous avez été complet dans votre analyse, dans votre préparation de match. En attendant, PSG n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Il a déjà laissé filer un joker. Oui, mais alors, il faut quand même reconnaître aussi que du côté d'Enrique, il a pu se permettre de faire tourner face à Strasbourg. Il a fait jouer des joueurs qui habituellement ne jouent pas. Enfin, est-ce qu'un garçon comme Gonçalo Ramos ne pourrait pas commencer? C'est pas impossible. Mais oui, qu'il a l'expérience aussi de Ligue des Champions la saison dernière avec le Benfica. Mais moi, je trouve ce qui est le plus rassurant, c'est de retrouver Mbappé beaucoup moins nerveux qu'avant la trêve. Plus enjoué au jeu, plus incisif aussi, même s'il a raté des choses. Il a mis un pénalty à Cels, mais ça reste quand même leur arme numéro un. Ouais, son match avec la France face aux Pays-Bas. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. Pour moi, la trêve internationale, elle a vraiment été bénéfique pour lui et il est revenu dans de meilleures dispositions contre Strasbourg. En tout cas, il a été très bon. Donc ça, c'est quand même un point positif aussi pour Enrique, pour le PSG, avant d'aborder ce match contre les Milanais. Moi, je les vois gagner. Allez, très bien. Victoire donc pour le Paris Saint-Germain, selon Alex, et selon toi? Je pense aussi. Ils seront à domicile. En plus, la tribune d'Auteuil qui était fermée ce week-end sera rouverte. Les supporters seront vraiment gonflés à bloc. Ouais, pas trop non plus, j'espère. Qu'ils ne disent pas de bêtises, mais bon, voilà. Bon, très bien. À propos de bêtises, Alex, figurez-vous que lorsqu'on prépare cette émission, on la prépare toujours quelques jours avant, évidemment, la diffusion, et on se pose des questions l'un à l'autre. Et j'ai posé la question à Simon. Ben voilà, Simon, tu participes à l'émission, tu remplaces Jonathan Lange, et donc tu vas participer au fameux duel, le choisis ton camp. Tu as le choix du thème, de la thématique du jour, et incroyable, il m'annonce une info quand même assez incroyable, que selon lui, Dries Mertens, joueur de Galatasaray, on le rappelle qu'il joue face au Bayern Munich mardi, que Dries Mertens a toujours le niveau pour la Ligue des Champions. Ça paraît quand même complètement vendu, là. Dingue. Ça paraît complètement dingue. C'est le duel d'ailleurs. Choisis ton camp. Non, mais honnêtement, selon moi, ça me paraît tellement indéfendable. On a des joueurs flanc, des Bakayoko, des Doku, des Luke Bakio, on vient d'en parler. Et toi, tu parviens encore. Et franchement, je l'adore, Dries Mertens, il nous a fait rêver. Mais selon moi, il est un peu suranné, obsolète. En présentant le sujet, je n'ai pas parlé de son niveau, forcément, attention. Mais il aurait droit à une dernière pige à l'Euro l'année prochaine. Je vais laisser Alex. Non, tu commences. Je préfère conclure en beauté. Allez, okay. On y va. Bon, allez, on y va. Commence donc, Alex, tu te défends. Ok, alors pourquoi pour toi, il n'y va pas. Il n'ira pas. Pourquoi? Parce que Tedesco doit marquer la rupture avec la génération précédente. Puis il y a encombrement à sa position. À quelle place pourrait-il jouer? Serait-il capable encore à son âge de faire les contre-efforts? Il a joué un quart d'heure ce week-end, par exemple, même si ça reste un formidable technicien. Quel signal enverrait-on au Dodi, au Openda, Bakayoko, Trossard? En août 2023, il déclarait d'ailleurs: j'ai 25 ans dans ma tête, mais mon corps me dit tout à fait le contraire. Et puis, un peu comme vous, quoi. Exactement. Et puis, de manière un peu laconique, il disait: voilà, je veux réaliser peut-être d'autres choses dans ma vie. Donc, quel signal, là aussi, envoyait-il à Tedesco à ce moment-là? C'était lui fermer la porte définitivement. Il y a 4 semaines, c'est vrai qu'il a failli marquer le but de l'année. Je ne sais pas si vous l'avez vu contre Istanbul Sport. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Enfin, le match dans lequel Icardi s'est complètement loupé sur son péno. Et puis, Eden, Nasser, Toby, Simon ont stoppé. Le prochain, sera-t-il probablement Dries? Ben, on peut quand même se poser la question. Je pense que les méformes de Romelu, Batshuayi, Origi, le départ de Benteke n'ont absolument pas fait changer Tedesco d'opinion. La porte n'a jamais été ouverte pour lui. Donc, voilà. Ok, très bien. Il faut pouvoir réagir à ces arguments-là. Ça me paraît. J'ai 3 à 30 secondes de plus. Mais, honnêtement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc il faut y aller directement et au trop, d'ailleurs, on file. Juste pour rappeler, son dernier match était donc contre la Croatie à la Coupe du Monde. Il n'a jamais été appelé sous Tedesco. Alors oui, Dries Mertens, c'est l'expérience, c'est la classe, c'est la loyauté envers un blason. C'est un joueur qui a toujours été très apprécié dans le vestiaire et aussi par le public. Alors c'est vrai qu'il est moins décisif qu'avant, qu'il marque moins, qu'il joue un peu moins aussi. Et c'est normal à 36 ans, quoique il pourra encore être titulaire contre le Bayern cette semaine. C'est vrai aussi qu'il y a des Luke Bakio, Bakayoko, Doku, Trossard ou même Trésor qui sont là. Mais justement, Mertens évolue désormais dans un registre différent de celui de l'ailier comme il le faisait à Naples ou comme il l'a fait pendant très longtemps chez les Diables. À Galatasaray, son coach l'utilise
en numéro 10 et dans un 4-2-3-1, le système que veut prôner Tedesco, justement. Alors, il n'y a pas eu Kevin De Bruyne lors des deux derniers rassemblements. Il ne sera pas là lors du prochain non plus. Pourquoi pas lancer Dries Mertens, qui est évidemment dans un registre totalement différent, à ce poste de numéro 10. Oui, là, il est peut-être moins fort qu'auparavant, mais il va apporter sa sagesse au groupe, son calme, son expérience de 109 sélections, faut-il le rappeler. Stop. On respecte les règles du jeu. On a entendu le gong, ça se termine. Mon dernier argument, c'est que... Le tout dernier. C'est comme voilà. Le meilleur. OK, si c'est ça l'argument... Oui. Donc, il a sous-entendu que cette saison pourrait être sa dernière. Alors, pourquoi pas lui offrir un cadeau en le sélectionnant pour l'Euro, là où il disputerait les derniers matchs de sa carrière. Non. Honnêtement, je dis il non. Il aura une belle fin. C'était une belle tentative de défense, mais ça a le mérite d'exister, mais c'était indéfendable. Moi, j'aurais honnêtement, perdu. Tu partais battu d'avance, ouais, voilà, là, exactement. Mon cher Simon. Il faut me couper de 20 secondes. Non, ça ne changera rien à l'avenir. Tu étais trop long. Ça ne changera rien à l'avenir de Mertens. Par contre, des joueurs d'avenir, ce sont les candidats aujourd'hui à la belle histoire. La belle histoire. Ouais, je dis le candidat aujourd'hui. Tu nous expliques pourquoi. Oui, je vais vous parler de trois frères, hein, pas du film avec Didier Bourdon, Pascal Légitimus, etc. Mais bien des frères Olyund, qui s'écrit Alex Olyund. Olyund, H, O, consonne. L, ouais, consonne, ouais. J, J, U, N, D. J'ai oublié peut-être une lettre. H-O-J-L-U-N-D. Ouais, voilà les frères Olyund, avec une fratrie danoise, où il y a d'abord Rasmus, attaquant de Manchester United de 20 ans, c'est le plus connu, mais aussi ses petits frères qui sont jumeaux, Emil et Oscar, 18 ans, qui jouent au FC Copenhague, et hasard du tirage au sort, United reçoit Copenhague ce mardi soir. Mais je vais d'abord vous parler du papa, Anders Olyund, attaquant en son jeune temps pour plusieurs équipes danoises. Il a pris sa retraite en 2003, quelques semaines après que son premier fils Rasmus ne vienne au monde à Copenhague. C'était donc il y a pile 20 ans. Et comme son papa, Rasmus a été rapidement mordu par le foot en se formant d'abord à Bultklubben, un des anciens clubs du papa. Et ensuite... Bultklubben. Voilà. Il a ensuite rejoint l'académie de Copenhague dès 14 ans, où il a rapidement été rejoint par ses petits frères Emil et Oscar. Le premier des petits frères est attaquant, le deuxième est milieu de terrain, et le papa, évidemment, il entraînait les gamins le soir à la maison. Il a même fait construire dans la cave un abri spécial pour qu'ils puissent s'entraîner quand il pleuvait dehors. Voilà, le papa a tout fait pour eux. Et pendant que le désormais mancunien Rasmus est envolé à l'assaut de l'Europe, il y a eu Sturm Graz, il y a eu l'Atalanta. En l'espace de 18 mois, il est même arrivé à Manchester. Bah, les deux petits sont restés au pays pour tenter de percer. Ils ont aujourd'hui 18 ans et sont internationaux danois U19 et commencent à apparaître en équipe première. Surtout Oscar, le milieu de terrain, qui a fait ses débuts en Ligue des Champions le mois dernier contre Dries Mertens et Galatasaray. Exactement, la boucle est bouclée. Et oui, et le même soir, son jumeau Emile marqué en Youth League, contre Galatasaray toujours. Et le même soir, son grand frère, Rasmus, inscrivait son premier but en Champions League. Beau but. Ouais, face au Bayern. Donc, c'était le 20 septembre et sera marqué évidemment à jamais dans l'histoire de la famille, comme ce 24 octobre, où l'affrontement entre Rasmus et Oscar, qui devrait apparaître sur la feuille de match, se fera sous les yeux d'Emile, qui aura joué quelques heures plus tôt contre Manchester United, en Youth League toujours. Et évidemment, ces premières retrouvailles en appelleront d'autres, puisque ce sont évidemment des grands talents qui ont un très bel avenir devant eux, évidemment. On le rappelle, ils ont 20 ans pour Rasmus, 18 ans pour les deux autres. On les reverra. On clôture, c'est une super chouette histoire. Et elle doit encore s'écrire, bien sûr. On clôture parce qu'il y a un quiz et en 3 minutes. Et on veut absolument participer à ce quiz parce qu'il faut quand même regarder aussi ce qu'il en est à l'heure actuelle. C'est très clair, l'image. À l'heure actuelle, égalité entre les consultants et moi-même depuis le début de saison. Donc voilà, on a l'occasion aujourd'hui de nous départager. J'ai pas dû contribuer à ça beaucoup. On va parler des frères et de la Ligue des Champions. 5-5, hein, ouais. Donc 0-0. Je vais vous donner des clubs et des pays. Et vous devez me retrouver deux frères qui se sont affrontés en Ligue des Champions dans l'histoire. Ok, on y va. On commence donc par un des clubs et puis je donne leur pays. Bâle. FC Bâle, Arsenal, Shaqiri, Suisse, Chaka. Les prénoms. Celui d'Arsenal, facile. Granit. Et l'autre, je ne sais plus, mais Chaka. Oui, j'ai dit. Toland, Chaka, voilà. Bravo, Mathieu. Bayern Munich, FC Barcelone, Espagne. Boateng.
Brésil. Pas deux frères, là ? Non, j'ai bêtisé. Espagne, Brésil, Thiago. Thiago, juste, et l'autre porte un nom tout à fait différent. Et l'autre, Jonathan... Rafinha. Rafinha, qui se sont affrontés en demi-finale en 2015. C'est juste, ouais. On n'a pas donné de points, là, pour le coup, parce que... FC Barcelone, Inter, Argentine, il y avait un défenseur, un attaquant. Ils se sont affrontés en 2010. Barcelone, Inter, Argentine. Venait du titre de l'Inter. Milito avait un frère. Milito, Diego et Gabriel. Voilà, parfait. Un point. Ensuite, c'est un peu Pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est un peu plus ancien. Le quatrième, Pays-Bas. C'est leur pays. Koeman. PSV, Malines. Les Koeman. Koeman, exactement. 2-2, donc, si je comprends et bien. Ronald, c'est ça. Sauf que là, c'était pas en Ligue des Champions, c'était la Super Coupe. C'est pas grave. Ok, voilà. Très bien. Une dernière pour nous départager. C'est un point qui en vaut deux, d'ailleurs. Oui, une dernière. C'est plus d'actualité. PSG, Milan, France. Hernandez. Les frères Hernandez qui s'affrontent mercredi. Bien vu, Simon Amoir. Honnêtement, remplaçant de luxe, hein. Il peut monter au jeu j'ai perdu à tout moment. Et vous avez été battu, mon cher Alex. La suite, eh bien, c'est pour dans 15 jours, bien sûr, un nouveau numéro du Champions Club. Et d'ici là, eh bien, le multilive mardi, mercredi, et puis sur nos réseaux sociaux, flashback avec Gordon De Winter. Je vous souhaite une excellente semaine de CL, de C1, et on se retrouve dans 15 jours. Ciao.